Parlons à présent d'une meilleure ou encore une très bonne nouvelle en ce qui concerne justement le classement OADA du Gabon. Le Gabon, notre pays, est donc premier OADA dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale ainsi que dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale également, selon le rapport Doing Business. L'annonce a été faite par le directeur général de l'Agence de promotion des investissements extérieurs, donc APIEX, en présence du représentant de la Banque mondiale au Gabon. Moussa Ndzingui nous fait l'économie de cette nouvelle. Entouré du représentant résident de la Banque mondiale au Gabon et du directeur général de la Chambre de commerce, Nina Abouna, le directeur général de l'APIEX, a affirmé devant la presse nationale et internationale que le Gabon, cinquième l'an dernier, est désormais en tête des pays OADA, suivi de près du Mali et de la Côte d'Ivoire. Pour la région Afrique centrale, le Gabon devient premier de la CEAC devant le Burundi et il conserve sa première place dans la zone CEMAC devant le Cameroun et la Guinée équatoriale. Bien que les résultats soient encourageants, ils ne sont pas encore pleinement satisfaisants car nous n'avons pas encore intégré le top 10 des meilleurs pays africains en matière de réglementation de l'environnement des affaires, objectif qui est assigné au gouvernement et par le biais du ministère de la promotion des investissements dans le cadre du plan stratégique Gabon Émergent. Mesdames et messieurs, je ne doute pas que les nombreuses réformes structurelles que le ministère en charge de la promotion des investissements avec l'appui technique de la Banque mondiale conduit notamment dans le cadre du projet de promotion de l'investissement et de la compétitivité à mettre en place une nouvelle agence de promotion des investissements du Gabon. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale traduit l'opinion et la perception du secteur privé vis-à-vis de l'administration et de ses procédures. Les données Doing Business fournissent aux décideurs politiques, aux entrepreneurs et aux investisseurs des outils de comparaison de la réglementation des entreprises dans 189 pays. Doing Business est un instrument qui nous permet de classer les pays les uns par rapport aux autres par rapport à la facilité de faire des affaires. Et comme l'a souligné Mme Abouna, ce qui est important, c'est vraiment de voir la mesure des progrès qui ont été accomplis au Gabon et ce qui reste encore à faire pour qu'on puisse arriver à un climat des affaires qui favorise l'entrepreneuriat et le démarrage et l'envol du secteur privé ici au Gabon. Pour rendre le climat des affaires plus favorable et pour améliorer la perception de l'administration vis-à-vis des dirigeants, des entreprises et des investisseurs, le Gabon doit mettre en place un programme de réformes ambitieux et faire aussi bien que le Rwanda, soit 5 réformes tous les ans pendant les 5 prochaines années.